Et salut cher à vous, cher abonné. Une petite vidéo hein, sur Bayonetta 2. Et je suis toujours avec Didi. Toujours présente. Et voilà. Mais en tout cas, j'espère que vous, ça va bien. Et que vous avez passé une bonne journée. C'est vrai qu'il fait chaud dehors en plus. Donc, n'empêche, c'est des belles images. Hein. Donc chose première, chose due, hein, comme je l'avais annoncé ce matin sur les réseaux sociaux, donc on vous le rappelle, Instagram, celle du salon, ou directement sur notre page Facebook. N'hésitez pas à profiter de cette vidéo. On avait envie, on réfléchissait hier soir et on regardait nos listes de jeux et on se dit tiens, pourquoi pas Bayonetta 2. Ouais, voilà. En plus qu'il y avait le 1 qui n'avait pas fait un grand succès. Hein? Surtout que c'est quand même l'un des jeux, moi j'adore ça quoi. Je sais pas si on le verra à l'écran là à un moment donné dans le générique, mais c'est l'un des rares jeux où tu vois écrit Nintendo à côté de Sega. Ouais, Ah c'est là, bah vrai. tiens, bah c'est là, regarde, 2014-2018, Nintendo Sega, oui, parce que Nintendo a quand même racheté ça quoi. Donc Hein? là-bas c'était quoi? C'était sur PS3, Xbox, il me semble. Donc ils l'ont Peut-être sorti c'est sur sur la la. Wii U il y a quoi? Il y a 6 ans, Ouais, Nintendo? voilà, ouais, je l'ai dit, Ouais. ouais, sur la Wii, ouais. Mais bon, c'était pas encore le public, il visait plus gros quoi. Donc, Ouais. et c'est vrai que la version là sur Nintendo Switch, bah, on va vous laisser profiter, on va pas faire que parler, mais elle est vraiment superbe. Elle est vraiment super, ouais. Surtout quand, puisque là, j'avais fait une petite partie histoire de me refaire la main dessus. Mais bon, pour le 1, ça n'a pas fait, enfin, c'est mon avis à moi, le 1, ça n'a pas fait un grand succès parce que ça en avait déjà Devil May Cry. Bah de toute façon, non seulement il n'a pas fait un grand succès, mais je pense même qu'ils n'ont pas réussi à le rentabiliser par rapport au coût de production. Ouais. Ouais, que si t'es payé aussi, dans Toute façon, on voit les changements, hein. Ils lui ont coupé les cheveux, la pauvre. Tu sais, ils se sont dit, un. non, attends, on va te mettre un petit peu plus masculin, même les vêtements, quoi. Le costume, le cosplay, est complètement différent. Ouais, c'est Bon, vrai, on va c'est vrai. peut-être y aller, parce qu'on parle peut-être beaucoup. Pour nos abonnés, ils vont dire, oh là là, les Putain, pipelettes font il y en a chier. marre qui parlent trop, putain. Surtout qu'en plus qu'il y en a un là Nous, et on veut tout, le let's là. play, S'il arrête pas de parler, des fois, allez! on comprend rien là. Qu'est-ce que quoi, elle fait chier, lui. Nous on veut la On voix, veut nous du fight! on s'en fout. Ouais! Ah mais bon. Alors. Ah, t'as vu, dans un univers d'ombre et de lumière, où la Ouais. perception façonne et on appelle la fin. Façonne la vérité, je sais pas quoi, un Ouais. truc comme ça. La réalité, pardon. Je Non, mais crois. c'est de très belles images, Ouais, quoi. ouais. Très très beau le jeu. Ouais. C'est en plus que le 1, je n'ai absolument pas trop compris l'histoire, mais voilà, ça c'est une image du 1. Et la femme que vous voyez là, qui est habillée de la tête aux pieds là, avec une espèce de cagoule là, ben c'est Bayonetta dans le passé. Là, on touche absolument à rien, hein, c'est une scène cinématique. On vous laisse Oh non, profiter. merde! Oh non, non, merde, en fait, Ah si, non! normalement, c'est Oui, un oui! combat. Oh, purée. En plus que j'avais Et fait toi, non mais, oh là là, là. ça. Heureusement qu'il te refait la main cet après-midi, hein. Ah ouais, on a bien vu, hein. Ouais, mais j'ai les réflexes de Devil May Cry, alors du coup, c'est un peu. Allez, une descente! Voilà. Mais bon, de Donc. toute façon, je sais même pas si c'est noté la façon que l'on joue, mais bon. Qu'est-ce que je veux dire? Là, t'as mis, c'est la version japonaise, là. C'est Ouais. qui parle? On a la version, parce que la version japonaise et américaine. Voilà, Ouais. ouais. Au point de vue de la voix, mais sinon, pas de voix française pour ce jeu. Et ouais. Il vous faudra une voix off pour lire. Voilà. Et c'est pour ça que, bon, bah, je suis bien équipé, hein. Ouais, bah, vous Oh, inquiétez pas, yeah. je vais me concentrer. Dès que je vous vois du texte, je vous le lis. On Comme ça, on peut monte. profiter de l'image. Et ouais, et on monte sur du Gundam! Regardez, j'ai un Gundam! Aesir passa les débuts de l'éternité à observer le monde depuis sa montagne sacrée. Nous ne voyons qu'une réalité que nous essayons tant bien que mal de saisir, alors qu'Aesir voyait à travers elle et sa vision façonna notre monde. Ses observations devinrent la source de son pouvoir et ses yeux furent les fondateurs de notre monde. Cependant, Aesir prit en pitié la naïveté des humains et leur absence de libre arbitre. Il sépara donc son pouvoir en deux moitiés égales et les confia à l'humanité. L'œil droit de la lumière et l'œil gauche de l'ombre.
Ah, c'est trop beau l'image. Grâce à la division du pouvoir des cieux, le Seigneur obtint le libre arbitre, le pouvoir de faire des choix. Ainsi, dotés du pouvoir des yeux du monde, les humains purent choisir leur propre destinée, et c'est lié à leur condition. L'homme, l'une des créatures les plus fragiles qui soit, devint alors l'une des plus intelligentes, et fit son premier pas vers la prospérité. Les héritiers des yeux d'Aesir obtinrent le pouvoir de la création. Moi je sais, c'est qui l'homme à la tête en or? Un sage de l'humaine. Personne ne m'a dit que l'un d'entre vous avait survécu. Oh, c'est trop beau. Mais même sur la Wii U, il n'était pas dégueulasse. Hein. C'est juste que... si je pense qu'en termes de cycle de marché, voilà. Le dernier sage que j'ai rencontré m'a tenu la jambe pendant 20 minutes. 20 minutes, c'est pas mal. Comment ? Luc, je suis ton père. Aujourd'hui. Tu n'échapperas pas à ton sort. Nous périrons ensemble. Ma très chère enfant, tu as finalement honoré ta promesse. N'aie crainte, car je veillerai toujours sur toi. Très japonais les dialogues, je trouve. Ouais. Un peu la sagesse comme ça. Ouais, L'œil droit de la lumière disparut à jamais de ce monde avec son possesseur. Le dernier des sages de lui-même. Et le 2, c'est autant que vous me prenir, les scènes cinématiques sont un peu longues, mais beaucoup d'humour quand même dedans. Moi qui n'aime pas les dialogues, Bayonetta c'est à part Resident Evil, hein, mais c'est le seul au point de vue dialogue qui m'a pas réalité. Fait autant chier. Dans un univers d'ombre et de lumière où la perception façonne la réalité. Ouais, t'as vu, la réalité, oui, j'avais lu. On va se taper la même scène, là? Je sais pas, il me semble. Est-ce qu'il faut pas que tu appuies sur quelque chose? Oui, parce qu'il faut peut-être que tu choisis ton niveau. Facile, non? C'est déjà... Non, ça a l'air d'être ça. Il se passe quoi, là? Le jeu tourne en boucle! Non, on va pas dire qu'il tourne en boucle, hein. En tout cas, la scène, elle était vraiment jolie. Hein. C'est vrai. Bon, les niveaux se présentent sous forme de cartes. Voilà, hein, qui se retournent à chaque fois que. Là, tout de suite, la suite. Hein. Hein.
Ah oui, alors ça, c'est un petit truc d'entraînement, mais des fois, t'as le personnage qui apparaît, des fois, ça n'apparaît pas. Enfin, bref. Tiens, on va laisser regarder parce qu'elle est quand même Ouais. pas mal cette scène. Ouais. C'est vrai que beaucoup d'humour, beaucoup d'humour. Et rien que pour le plaisir, on va vous le laisser. Avec moi qui stais. Il y avait de la lecture. Mais on a dit un qu'on laissait profiter. Avec le chat. Et puis on a dit qu'il profiterait. Ouais. La nanière. Ouais. T'as vu, chérie, on dirait nous quand on fait les courses, moi je mange de pain et puis toi avec tous les sacs derrière. C'est un peu vrai, ouais. Non, mais c'est normal, attends, je veux pas que tu portes des sacs, c'est normal. C'est une question de. Ouais. C'est l'homme, il est là, c'est pour porter, supporter, faire plein de trucs, quoi. Et la femme, elle doit avoir un maximum ou un minimum de. Ouais. De tranquillité. Ouais, bordel de merde. C'est ce qu'il a dit.
Oublie le ruban, putain! De l'action! Eh oui, l'action commence. Enfin. J'avoue quand même un peu. Donc la voix off reprend son travail. Oh là bien. Oui. C'était un cri de souffrance. Sans commentaire pour ma part. Ah, c'est pas Sailor Moon, hein. Ah non, ouais. Là, Sailor Moon, là, dans ce monde, elle se fait péter la tête, hein. C'est assez marrant, mais c'est marrant. C'est... Ah bah, le gars, il se fait plaisir, hein, ouais, là. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Bayonetta, je vous ai dit, hein, c'était un Devil May Cry. Hein. Mais sauf qu'elle, elle est... comment vous dire... Donc là, vous avez un petit tuto hein, pour le coup de poing. Donc on appuie sur X pour donner un coup de poing rapide. Ouais. Et moi, je vous conseille de passer au moins une minute ou deux, histoire de vous exercer là-dessus. Surtout que les monstres, ils spawnent à l'infini. Là, vous pouvez vous faire plaisir. Hein. On a un coup de pied, on appuie sur A pour donner un coup de pied puissant. Voilà. Et dès que vous voyez que et ça X fait. Et A, donc c'est un combo pour aider les combos dévastateurs. Ouais. Voilà. C'est ce que je viens de faire. Ah oui, alors ça c'est. Donc X et A enfoncé. C'est juste ça le coup, hein, en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas. Sauf que moi, je voulais me faire plaisir pour taper. Alors, l'esquive. Ouais. Merde. Ah, oh, d'habitude, je le rate jamais. Allez, recommence. Alors, maintenant, l'esquive au tout dernier moment. Voilà, c'est ça, moi, que j'arrive. Okay. Oui, alors, cette esquive un peu spéciale, enfin, en fait, vous ralentissez le temps. Voilà. Donc, ça te bloque l'attaque de l'ennemi, quoi. Ça te laisse le temps de lui porter un coup ou quelque chose, quoi. C'est une défense. Ouais, voilà. Du genre, tac, hop, le temps, là, il est ralenti, et là, tu peux te faire plaisir à défoncer des têtes. J'aime bien, moi, quand t'as fait ça, sa petite pirouette, là. Hein? Oui, moi, j'aime bien, moi, c'est ça. Ouais, c'est ça, j'aime bien. Je peux la refaire hein, si vous voulez, comme ça vous voyez que t'as d'abord lui là je le calme. Voilà. Ah mais mince. Ah voilà. Ah oui, là je me trompe de touche. Ah oui alors par contre vous ne gagnez rien dans le tuto. Hein. Par contre ici là, vous gagnez quelque chose. Hein. C'est évident, c'est le jeu.
Non, c'est pas ça que je veux faire. Ouais. Désolé, j'ai zappé un peu trop vite. Voilà pourquoi j'achète jamais rien en solde. Ouais, les soldes, c'est jamais bon. Ouais. En plus, on achète sans les trucs qu'on ne mettra pas. C'est juste, on s'est dit, tiens, on a fait une super occasion. Mmh. Et peut-être même pas, en fait. Ouais, peut-être même pas. Ouais. Lui, là, c'est un mec tellement mystérieux. Bah, si c'est lui le Père Noël, hein, et bah, j'ai envie de t'adhérer. C'est quelque chose, hein. Ah, surtout qu'il est balèze, ce mec. T'as vu comment il te l'a porté? Tellement badass. Comme la voiture d'ailleurs. Ouais, ça c'est la voiture du plus gros là. Tellement badass. T'as intérêt de mettre ta ceinture. Bah, t'imagines si t'avais un pote comme lui là. Ouais, alors elle fait un cercle parce que ça sert à appeler ses pistolets pour qu'ils viennent faire son propre. Ouais, c'est Noël avant l'heure. Hein. J'ai la foi, le gars il répète ça, aidez-moi! Tu sais, tu vois que le bras comme ça, tu t'attends quand tu tombes dans ses bras. T'sais. Mais non, c'est pour la maquette. Lui, il s'en fout de. Il est temps d'être vilaine parce que t'étais gentil jusque-là. Alors là, comme vous voyez, là, c'est les. Ben, c'est les trucs par rapport avec le tuto. Enfin, bref, ils auraient dû mettre ça dans le tuto. C'est l'apothéose de l'ombre qui permet d'enchaîner les incantations infernales. Ouais. Les incantations infernales, c'est pas souvent qu'on voit la moitié du corps, ou au moins que c'est moi qui est complètement nul avec les touches, mais bon. Ouais, je l'ai raté. Ouais, faut attaquer tes ennemis, elle te dit, il faut accumuler de l'énergie magique. Ouais, ouais. Oh là là. Mais avant, j'arrivais facilement à les jeter en l'air pour les enchaîner en l'air, justement, mais là, j'ai raté mon coup. Ouais. Ah ouais, il faut savoir esquiver hein, dans le jeu parce que sinon après t'es mal noté à la fin. Ah, j'ai passé assez vite. Ah, c'est bon. Petit à petit, je commence à avoir la main là. Mais la pêche, il est jouable à deux en ligne. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais ça, je pense que c'est un petit peu important de le redire. L'autre, il croyait me toucher.
joyau en forme qui contient une essence vitale cristallisée. Restaure la santé dès l'obtention. Et ouais. Elle a l'équilibre quand même, hein, la petite. Hein. Ouais. Surtout que moi, en réalité, je pourrais pas. Enfin, tout le monde d'ailleurs, quoi qu'il arrive, mais c'est vrai qu'être sur un avion comme ça, là, ouais, quoi. Yeah! Ça me fait trop bien! Oh la vache! Je lui ai mis une droite en merde! Je sais pas ce qu'il est! Moi je t'avouerais que j'aimerais avancer là plus vite là, dans l'aventure là, parce que taper des monstres ça commence un peu là. Voilà. L'avion va se crasher. Hop. Il joue au badminton. Et là, on saute. C'est magnifique. Et voilà. Donc on se retrouve dans la scène suivante en fait. Ouais ouais ouais. Donc cette fois-ci, eh ben, on est sur un train. Surtout qu'avec lui là qui s'amuse à courir autour du train, mais de toute façon il n'y a pas de. On aurait dit le fantôme de Ghostbusters, t'as vu la substance verte. Ouais, ouais, sur le ouais. Train. Ouais ouais. Ça c'est. Il nous chie sur le train le mec là. Ça me fait penser aussi à Resident Evil 3 Nemesis sur PlayStation 1. Enfin, sur pas mal de consoles, mais maintenant, paraît-il, parce que. Attends, je crois qu'on peut monter là, non? Je crois qu'on pouvait monter sur lui. Waouh, je suis trompé de touche, je vais essayer. J'adore faire des esquives dans ce jeu, c'est incroyable. Et Zoro est arrivé. Et là, c'est Matrix. Hein. Pendant que ça, là, ça, tu vois. Elle a oublié le caviar de luxe. Hein. Un Noël sans caviar, c'est pas un vrai Noël. Hein. Alors dépêchons-en d'en finir. Ouais. Bon, on va essayer d'en finir hein, très très vite. Surtout qu'en plus que lorsque tu as des combats à deux comme ça avec la copine en rouge, ce qui est bien c'est que tu peux par moment combiner tes attaques avec elle. Et c'est très avantageux quand c'est comme ça parce que ça fait plus de dégâts. Comme là. Et là, à banane. C'est bien comme ça, ils auront pu voir un combat où elle est toute seule et puis un combat où ils sont à deux, quoi. Ouais, ouais. Ah le monstre, t'as vu comme il est bon là. Ah ouais là il faut cliquer là. Ouais.
Et voilà. Ah oui, ça c'est quand il échappe à son contrôle, l'autre. Et après, ça fait un espèce de... Voilà. Bon, ben, les amis, ben, on va s'arrêter là. Hein, et... On espère que vous avez aimé la vidéo. Oui, surtout. Oui. Hein. Et ben, surtout que n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si on a un petit peu évolué ou non. Enfin, ceux qui ont l'habitude de voir les vidéos, bien entendu. Puis sinon, bah, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Un petit commentaire, voilà. Un petit like. On vous rappelle que... Un petit pouce bleu aussi. Au 100e abonné, on avait décidé... alors, on parle de 10 euros de PSN, mais parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont une PS4. Mais quand qui dit 10 euros de PSN, ça peut être également pour le Nintendo Online. Parce que généralement, donc soit on a une PS4 ou une Switch, mais en tout cas sur l'un des deux, voilà. On vous rappelle de bien mettre un commentaire avec votre nom, parce que malheureusement, donc on est à 74 abonnés, ce qui est énorme, mais il y a certains abonnés, en fait, on n'a pas votre nom, donc ça sera compliqué pour nous quand on va devoir choisir un abonné. Donc voilà, donc n'oubliez pas, donc l'Instagram, 7 du salon, CEDUSALON. Comme sur mon YouTube, 7 du salon. Voilà, donc on a également une adresse Gmail, si vous voulez nous écrire. Exactement, pour aussi, des suggestions de vidéos, si vous êtes intéressé, il y a certains jeux sur Switch où on peut jouer, il y a Diablo et autres, on ne sera pas contre vous donner notre code ami. Donc l'adresse mail, c'est tout simplement 7dusalon@gmail.com. Surtout que mon code ami de la Switch, je vais pas le mettre comme ça en publication, parce que voilà, mais je préfère savoir avec qui je joue cas par cas, voilà, voilà, exactement, parce que sinon, voilà, je préfère. Bon, bah, sur ce, on vous dit à demain, comme tous les jours, une petite vidéo. Et ouais, donc sinon, prenez soin de vous, et puis... Ciao, ciao. Ciao, ciao.